Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Nous voulons parler, nous voulons parler de visite jeudi, hein? Jeudi mercredi 3 septembre que Joe Biden fait dans Kenosha. Nous allons essayer parallèle différence qui gagne entre visite des leaders ça, entre visite Donald Trump fait qui gagne 2 jours et puis avec visite que Joe Biden fait jeudi. Hein? D'abord, on essaie présenter contexte pour comprendre ça qu'a fait là. So, ou capable voir Kenosha qui trouvait dans Wisconsin ces derniers jours, li trouvait li par devant de la scène, li trouvait li au cœur de l'actualité. Et en d'autres termes, Kenosha entré dans bataille comme un facteur prépondérant dans bataille qui gagnait pour joindre fauteuil bourréa pour arriver au niveau de White House. Et raison c'est d'abord parce que n'a parlé de Kenosha qui dans Wisconsin qui c'est un battleground state. Ça veut dire un state qui prenable en d'autres termes par n'importe quel candidat. Et mais tout parce que li domine l'actualité dans un sujet préoccupant et chaque candidat ou elle sous différents angles nous voulons parler de ça relé police brutalité policière et mais tout effet il y a cause ça le provoquer et après chaque brutalité policière li provoquer soulèvement et des soulèvements qui contiennent des dérapages côté que gagne magasin qui crasé et gain des gars et c'est aspect ça que Donald Trump lui-même l'a exploité dans discours vous comprenez il just ignorer cause là. OK, d'abord on nous dit que Donald Trump lui-même il est allé dans Kenosha, il était de manière spécifique rencontré avec autorité de la police, il était justement fait bilan de dégâts que manifestation a fait tout simplement. Et Donald Trump pas rencontré avec aucun membre de la famille et Jacob Blake qui recevait 7 balles dans dos. Donald Trump pas rencontré avec. Donc il est allé justement pour te voir, encourager policiers justement et faire des déclarations côté que il est même arrivé déclarer que petit bonhomme 17 ans ça qui fusillait n'importe deux monde et que c'est en cas de self défense, légitimité. Maintenant on va se regarder. Je dis d'abord, ou capable boire lieu au contexte avant même. Et ou nous Joe Biden qui rencontre moun yo dans l'église. Et qui est sûr? Il y a différentes couches dans société, pasteur et père moun l'église, mais tout, il rencontre et représentant Black Lives Matter, il rencontre en fait dans même réunion ça a gain autorité au niveau de la police et gain famille blessure. En d'autres termes, et c'est différentes couches dans société là qui te nan chit attendre ça et Joe Biden dit expressivement nous besoin président cap travail pour capable baisser tension pour essayer de comprendre baisser tension li clair pour tout le monde pour baisser tension ou pas ca chavirer un seul bon pour baisser tension il faut que nécessairement ou à l'écoute de différentes couches dans société a puisque toutes les fois qu'il y a des frustrations prolongées problème là pour tel donc et Joe Biden qui dit que nous besoin président qui pour baisser tension. Mais bon, c'est bon président justement cap mettre et l'huile sous du feu cap justement souffler flamme dans pour capable prendre. Et donc nous besoin président qui capable bring moon yo together et joindre une solution avec challenge défi que nous gagnons. Et Joe Biden expliquer c'est pour raison ça même là dans Kenosha. Et il fait comprendre que c'est ça il va le faire dans Maison Blanche là. Il va aller pour lui justement tendez différentes couches dans la société et qui sont capables de rappeler à l'unité. Nous voulons rappeler pour tout le monde que Joe Biden était clair. Il était clair pour dire que l'histoire boule magasin et voler, ça pas manifestation, ça pas l'effet campé. Et clair pour tout le monde. Il était clair sous position, bien entendu, dans ce sens ça. Ok? En fait, il y a Jacob Blakes, en fait, et Uncle, tonton Jacob Blakes, qui dit que justement, il a parlé avec Joe Biden à propos de politique en matière de justice sociale. Ok, il a dit, lui-même, il a souhaité pour gagner de meilleures politiques contre sociale injustice aux États-Unis, et notamment en matière de police shooting et à l'égard de communautés noires, pas bon ici. Et il dit, ça qui passe dans Kenosha, c'est un petit parti, c'est un petit zuit. Dans toute barrière qui a passé à travers la nation. Et famille a dit, n'a pas essayé d'utiliser ça qui a passé
Non, Kedoshia, justement, pour nous mettre en exergue un problème fondamental qui gagne dans la société. Et Biden demandé pour gagner une examination sous Jean, prosecutor là, a justement géré le dossier ça. Et lui parler tout pour discuter éducation sous disparité qui gagne entre communauté pauvre. Et lui promet que s'il prend pouvoir, il va établir un salaire, une National Policy Commission. Ok, pour aller gagner une commission nationale politique dans Maison Blanche. Et maintenant, famille Jacob Blake, tout a expliqué justement difficulté, peine que y a enduré et ainsi que avocat. Mais faut nous dire que le moment on a parlé à là, il y a pas même carré de la caille, obligé à aller à l'hôtel. Parce que tout simplement, il y a des menaces pour protéger la sécurité, il est obligé à les déplacer. Et on dit que Joe Biden était dans l'église, c'est par téléphone que maman Jacob Blake t'est parlé. Bon, on est même à contrôler tout, pas qu'à sortir de toute façon. Donc, il était participé dans la réunion à travers phone et tu gagné Jacob Blake qui est sous l'hôpital. Il t'a bail un update sous Jean Monsieur. Il dit bon, monsieur normalement absolvé, pas bien en mort, mais est-ce que la prend petit temps? Je vous ai dit exactement si monsieur a si monsieur a arrivé marcher. Et donc toute famille Jacob Blake yo même yo dit y a bataille pour gagner une réforme systémique. Les annoncer la force excessive. On parle de force excessive, force disproportionnée et de policiers à l'égard de classe minoritaire yo. Et à l'égard notamment des noirs, il faut comprendre que faut gagner un changement et non causer ça. Donc, il est clair pour Joe Biden là, c'est qui ça lié, c'est commission nationale sous politique. Ça veut dire c'est une commission qui a là pour redéfinir politique à différentes entités dans l'administration. Non, façon que y a opéré pour rendre que y a capable beaucoup plus équitable, pour capable gagner beaucoup plus de fair play. Il dit que Joe Biden qui a parlé, il dit m'a mené tout le monde sous table là. Elle clair, il dit incluant chef police là, incluant civil rights activists, incluant NAACP, Latino community. Il dit que nous allons chita avec tout le monde. We are going to work it out. OK? Nous va essayer voir qui gens pour nous sortir dans ça. En fait, c'est ça que le connaît. Et il clair il dit que gagne un pile mauvais monde dans chaque organisation. Réalité c'est que le dit dans chaque organisation ça relé gagne un pile mauvais monde et ces monde ça vous mettez dehors. OK? OK? Maintenant, Biden, justement, tu es surpris de réaction Jacob Blake qui dit que lui-même, pas grand, hein, quoi, il fait le bat-bat. En parlant de Jacob Blake, il a parlé sur l'hôpital là et que lui dit, nothing was going to defeat him. Donc, ça veut dire, lui-même, il n'est pas découragé. Donc, Biden qui dit, non seulement il parle à la famille, mais de manière spécifique, il parle avec Blake. Et Blake dit le bagan un cap fait que le perdit l'espoir. Et même lorsque l'arrivée marché ou bien il pas arrivé marché, il pas give up. OK, il était pas l'était parlé pendant c'est touchant hein. Je dis même l'arrivée marché, même lorsque il perdit pied, il pas give up. En fait Biden avec Jacob Blake il était parlé pendant 15 minutes dans le téléphone. Et donc il était mettre ça en exergue la foi que Blake gagne et spécifiquement il était répété mot pour mot. Blake dit, il dit, il gagne pour lever tant qu'on zèle aigle yo, et justement, il gagne pour le rebriller encore. Donc, c'est parole ça qui est sorti dans la bouche et Jacob Blake. Biden te parlé de éducation tout dans la communauté, a réforme qui mérite faite, et côté que il dit parler de. Il y a un système légal aux États-Unis qui a un problème. Et en fait, il parlait de
problème de race qui gagne dans le pays. Il m'a demandé pour examiner qui Jean prosecutorio a géré et conviction criminelle. Il discutait sous éducation disparité qui gagne dans la communauté qui pi pauvre. Donc, il pensait que gagne en pile bagaille que nous capable faire. Nous sommes capables de faire tout simplement pas lorsque nous choisissons d'éliminer tax cut for top 1%. Yo. Et Biden qui dit qu'il est optimistique qu'il va y avoir une opportunité pour un changement dans le pays. Ça. Donc voilà, guys, c'est en substance un parallèle entre visite Joe Biden et visite Donald Trump dans Kenosha. Donc voilà, nous te voulons faire bon détail sur visite ça et qui gagne une importance capitale dans la bataille cap mené pour gagner contrôle l'élection ça. Nous voulons rapport nèg yo a gagné pour aller dans North Carolina tout, yo surtout dans Battle Ground State. Nous on va parler avec toi Donald Trump dans North Carolina, très certainement Joe Biden a gagné pour aller tout. Nous même nous là n'a justement ba ou n'a suivi pied pour pied ça qui a passé et nous promettons pour nous porter au bout. Bye bye tout le monde.